Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est dans la grotte de la dernière zone, qui est aussi la première zone. Où il y a des requins marteaux un peu partout. Mutagen 23 is certainly heating up the evolutionary arms race. Il y a un truc là, ouais. Je the predatory scavenger is often chose. Quite content to dine on whatever wastes fall to the ocean floor. Pas mal de choses à récupérer par là. Théoriquement, c'est là qu'on pourrait retrouver notre ennemi juré, celui qui a tué notre mère. Il y a un truc à aller choper là-haut. Parce que je crois que j'ai déjà fait des sauts plus impressionnants que ça. Oh, je l'ai eu. Du bout des crocs, hein. Des dents. Oh, on dit dents de requin et crocs de... pour les autres animaux. Je sais pas trop pourquoi. Some sharks are scavengers, indiscriminately consuming anything that's vaguely edible. Ouais, je les dévore ces requins. Marteau ou pas. Croc et... On a toujours des déchets toxiques. Hein. Qu'on soit... Un autocollant. Enfin, c'est des plaques d'immatriculation, c'est pas des autocollants. Mais ça ressemble quand même. On a déjà fait 50% de la zone. Oh, c'est incroyable. C'est allé très très vite. Je pense que le coffre est caché. Je pourrais choper quelques requins. J'ai l'impression que quand je l'attrape, en fait, je peux secouer et croquer à la fois. Maintenant, je les dévore, les requins marteaux. Au début de l'épisode précédent, je faisais leur tout juste leur niveau. Parfois, ils me mettent des sales coups, mais à part ça... Bon, 3, c'est peut-être un peu beaucoup à la fois, mais... Ocean is a source of life, inspiration, and eternal renewal. But mostly it exists to be exploited and commodified by humans. Non, ça va. Trois à la fois, je les mange un par un, pas de soucis. Et ça me fait bien monter en nutriments. Parlons de nutriments. Non, on va pas chasser les humains tout de suite. Je retourne là-bas peut-être. Le golf. J'ai pas trouvé la grotte de quai à caviar encore. Ni de baie à saphir. Je suis pas allé encore à baie à saphir. Si ça se trouve. À rivage doré, j'ai pas eu la grotte non plus. C'est dans le bayou que j'ai le plus de progression. Et baie de la langouste, je suis à combien? Ah, c'est dommage, il y a le truc de la grotte juste devant. Baie de la langouste, 34%. C'est ça? Ah non, c'est global? On dirait. Tu es le prédateur suivant. Lac des chevaux morts. Donc faut peut-être que quand même que j'aille le...
l'attaquer. Et après, je peux aller voir péter les cailloux. Alors, sauf qu'il est très loin. A priori, je passe pas ici, je passe pas ici. Ça va me... Ah, mais je peux y aller en passant par les grottes. Donc en fait, on va juste aller à la grotte. On va tenter. Les éléments sur le chemin. No one can tell what may be found in a shark's stomach. It's truly the ocean's garbage can. The peace of the grotto enables the shark to approach the world with greater confidence and effectiveness. On peut améliorer encore? Ok, c'est parti. Palier 5, maintenant je peux l'améliorer. Nickel. Notre santé, la digestion des protéines. J'aurais peut-être même dû améliorer la digestion des protéines plus en priorité, mais bon. Ok, est-ce que je peux me déplacer sur la carte? Voyage rapide, oui. Et notre cible est là, donc on va aller là. Et on va se fixer ça comme objectif. Fish higher on the food chain are more mobile, able to traverse a variety of waters. Alors par contre, je sais pas si c'est vrai, mais je vois absolument rien. Je pense pas que ce soit normal. Je suis censé être dans la grotte là. Déjà dans une grotte. Je sais bien. Je veux dire que je suis déjà dans cette grotte. Peut-être parce que c'est parce que j'ai ouvert le menu et il y a eu un bug dans le chargement. Rising sea levels have made once unreachable corners of the bayou accessible. Alors ça va pas trop le faire ça. Donc où que je sois, tu m'affiches plus rien. Dead Horse Lake has reawakened candid public debate about human progress. Je vais relancer le jeu. Alors, c'est mieux quand on voit. Je sais pas ce que vous en pensez. Pendant un instant, je me suis demandé si jamais c'était pas lui, le terrible prédateur que j'étais censé dévorer. Mais visiblement. Alors là, il y a la barrière. Comment on la passe la barrière? Ici. Oh, ça rapporte 50 la tortue, même si elle est que niveau 1. C'est raisonnable. The needle tooth nightmare. The barracuda. Le barracuda. Ah, il est quand même niveau 10. Et il a l'air assez rapide. Mais je fais des dégâts de zone malheureusement pour lui. Donc même si je le rate, je fais 10. Maintenant que j'améliore mes trucs électriques. While most recognize it as the title of a classic rock radio staple, did you know that it's also a fish?
Well, it's true. L'ensemble d'évolution osseuse confère de la résistance aux dégâts et est surtout efficace en combat de bateau. Vainquez d'autres prédateurs suprêmes pour obtenir l'ensemble complet. D'accord, est-ce que j'ai débloqué un nouveau prédateur du coup? Allez voir péter les cailloux. Très bien. Il est où? Il est là. Et c'est ma quête sélectionnée. Ouais, visiblement faut faire les quêtes dans l'ordre pour débloquer les suivantes. Alors, sauf que si je contourne par là, ça devrait aller. J'allais faire une démonstration que je pouvais sauter super haut au-dessus de la grille, mais c'est pas passé. Je sais pas vraiment comment attraper ce genre de d'éléments. Faire un saut mais énorme pour ça. Alors j'ai dévoré les barracudas. Je suis au niveau 17, faut dire ça passe vite. Machine tonquée. Allez, je vous laisse tranquille. J'ai un truc à faire. Ah, cinématique. Back on board the Cajun Queen. That's Kyle, my son. He's just here for the summer. Studies marine biology. Oh là là. Look at that. I got one hand can still tie a hook. You got two can barely tie his shoes. Must get that from his mama. Yeah. He used to help my daddy around. Spent a lot of time together. But we wasn't close. He was a shark hunter. That's all he was. If anybody were gonna catch the mega, it'd be him. Thought it was a government experiment, got himself loose. Boy, he wanted that job. Wanted it bad. Found it once. Didn't catch it, no. What happened to your father? Huh? What happened? Look, I ain't got time to answer questions all day. Got work to do. Just like Kyle LeBlanc, our young bull is the inheritor of a long family tradition, struggling to find her place in the world. Épisode 4. Trouver la grotte suivante, rivage doré. Terminé, rivage doré, vengeance, chassé, contrôle de la population. Tuer le prédateur suivant, Bayou, blabla. Donc j'ai des nouveaux trucs maintenant et après faut que je retourne voir péter les cailloux. La meilleure grotte. On va y aller. On va faire l'histoire un peu dans l'ordre. Ça va être plus facile maintenant que je suis plus gros que prévu pour ces zones. Jusqu'au moment où ça va redevenir compliqué. Oui, c'est peut-être pas le chemin idéal par là. On va... Ah oui, non, je pense pas que je puisse traverser. On va suivre le chemin logique. Qui est... Ouais, par là. C'est ça? J'ai un doute là tout d'un coup. Si c'est ça, faut que j'aille le choper plus ou moins par là. Là où il y a un passage. C'est par là qu'on est censé passer? Peut-être bien. Ouais, l'eau est vachement verte et sale ici.
ces humains. C'est peut-être aussi plus d'eau stagnante, donc il y a des algues. Je suis dans la bonne direction. The likelihood of catastrophic risk scenarios wasn't really considered when developers built a golf course in a flood zone. Ah si, oui, donc j'étais pas très loin. Là, c'est Rivage Doré que j'ai fait il y a quelques épisodes. J'ai pas pris trop d'avance. J'ai vu les fils de zone interdite. Marqué quoi? Cuidado, caution. Attention. En espagnol et en anglais. Je sais pas si c'est raccourci vers la zone que je cherche, ça ou pas. Sûrement. Alors le Mako, il veut qu'on se batte. Parce que s'il y en a un qui va se faire dévorer, c'est pas moi. Here in the grotto, the shark can discover the absolute serenity deep within her soul. Et maintenant j'ai de nouvelles missions. Super. Alors, collecte d'ordures. Allons-y. Je vais faire en fonction de la carte plutôt. Je suis là. On pourra faire celle-ci, puis la suivante par exemple. Alors, où est la sortie? Voilà. Oh oh, faudrait choper Mako. Pas de soucis. Je vais choper Mako. De l'autre côté, oui, il est dans le lac. On dirait de l'autre côté. Oh, quand vous avez peur, c'est juste un petit aileron. Ici, Mako chassé, on dirait. Adult Makos often feed on juveniles, primarily due to a deadly combination of wage stagnation and rising child care costs. Très courant que dans certaines espèces les plus petits mangent les plus gros. C'est le cas chez beaucoup d'insectes, y compris des entre frères et sœurs, pas de pitié. L'important c'est de tenir grand. Train it to guard their community? Not likely, but let's pretend they did, as it makes for a more interesting storyline. Alors, quête suivante. Manger des poissons visiblement. Ou des gens. Ah non, c'est des humains qui font. Non, j'arrive pas trop. Ah, on est mieux. Allez, saute dans l'eau. J'en ai eu 3. The shark hunter is the only thing keeping tourists from a nasty, horrible death. Outside of just avoiding the beach for a few hours. Shark
Northern traders come every year to Baton Tordu. Because what other way is there to celebrate killing beautiful animals for tasteless, nutritionless body parts than a $450 round of gold? Alors, théoriquement, maintenant, faire plus de dégâts qu'avant aux chasseurs. Est-ce qu'après je suis tranquille ou pas? Avec mes dégâts électriques, ça me permet. What? The savage shrimper, Pookie Paw. Le décortiqueur de gambas. Oh. Génère en mangeant des humains. Hop, dans l'eau. Une fois qu'ils sont dans l'eau, c'est plus facile. Finir par avoir son gros glisseur là. Yeah! The bull shark obstinately digs in as the conflict escalates. Il va falloir que je redévore des humains après. Bon, je fais pas très attention à ce que je fais juste plein de dégâts. De temps en temps, j'essaie de donner un petit coup de queue pour les faire tomber. Le truc, c'est qu'ils bougent vite. C'est un peu dur de les attraper. Mais c'est pas des bateaux très costauds. To ensure the safety of the public, a bounty has been placed on the fugitive shark. Ah, ils étaient tous mangés et maintenant il y en a d'autres qui arrivent, d'accord. Donc on s'en va. Je pense pas qu'ils aillent nettement plus vite que moi. Je s'appelle Grotte. Peut-être laisser m'oublier un poil. Et quand ce sera bon, on ira croquer des humains de ce côté-là. Ils me cherchent là où j'étais tout à l'heure. Mais je n'y suis plus. It's another unsuccessful shark hunt for the people of Port Clovis. Bonjour, j'ai faim. Non, je peux en manger plein avant de retourner dans l'eau. Allez, dans l'eau. Alors, là on en va à terre. Another danger on the water for shark hunters? Determined process servers. They're both late with bench warrants and affidavits. Mets dans l'eau. Il n'y en a qu'un d'humain. Il est là-bas. Back when I was a boy, I thought I'd be a golfer. But damn, if I didn't like sinking sharks, a lot more better than sinking putts.
Bon, ils m'ont perdu de vue, on va pas se remontrer tout de suite. Et on va aller chasser un requin mako. The hunt ends, but this is a mere pause in the eternal struggle between man and nature. Donc je continue à faire le tour apparemment. Il est où? Reviens là, petit mako. The grouper is the very picture of brute strength. Moi, j'ai un peu perdu mon élément à chasser. Il est dans mon dos. Ah, il est là, le point repère. Je le vois pas sur le... On va dire la boussole. Je sais pas trop pourquoi. Donc il y a une grotte à trouver. Où ça? Pas peut-être dans l'eau de ce lac là, comme ça m'étonnerait. Ah non, ok. Alors, il est là-bas. Bonjour mako, tu es un peu plus gros que tes congénères, mais ça ne va pas t'empêcher de te faire dévoré. Ça me fait penser que les grottes aquatiques dans Minecraft ressemblent, bon, beaucoup moins belles, mais la structure des grottes ressemble. Beaucoup moins belles parce qu'il n'y a pas les cristaux. J'ai l'impression de tourner en rond, c'est peut-être le cas. Je vais sortir, je sais pas par où. Mais je vais tâcher de sortir. Dans une autre grotte par exemple. Et... Là il y a un tuyau. Qui mène à d'autres tuyaux. Peut-être me retrouver loin. Ça monte, ça tourne bien. Ouais, toujours dans une grotte. Et là, faut être ancien. Oh, un plongeur. Donc faut que je dévore plein de macro. Où est-il? En bas. Maintenant tu te laisses dévorer.
Vous inquiétez pas, pour l'instant je mange des poissons. C'est quoi un macro en fait? Les boîtes de filets de macro, elles ont pas donnent pas l'impression que c'est gros. Et j'ai une cible à détruire dans le coin. It's a kingfish in the mood, quite like watching a 73-year-old hit a double bogey. The fact that they've turned the waters off Baton Tordu into a spawning ground attests to their love of seniors golf. Monsieur Golf. The members of Baton Tordu who commissioned this piece apparently found it whimsical. Un joueur de golf fait avec des. And unimaginative. Il est où? Je ne le vois plus. Fait avec des clubs de golf, justement. Ah, il est là. Il est pas très épais. Alors, il y en a un qui a décidé qu'on allait se battre. Très bien. Alors, il me dit de tuer des macros ici. Là-bas, très bien. Je sais pas si c'est idéal de jouer à des jeux genre golf dans un environnement où il y a autant d'eau partout. Ils ont, j'ai pas l'impression qu'ils aient fait des méga bordures. C'est peut-être suffisamment pour une balle de golf, mais... Rassemblement... C'est là mon point? Pas de macro ici. J'ai dit macro. On voit pas du tout. À choper un autocollant sinon si je saute assez haut. Très bien, niveau hauteur, juste j'ai sauté trop tôt. Ah, il croque pas dans la bonne direction. Je sais pas pourquoi il croque pas dans la bonne direction. Il y a un autre truc à croquer dans l'eau, on dirait pas. Ok, c'est passé. Il m'en manque plus beaucoup. Bon, je reviendrai plus tard voir les macros. On va aller suivre ça. On va faire une petite frayeur. Oh, ils ont pas très peur. Alors, détruire la cible. Quelle cible? Vous voyez la cible, vous? Mako, sinon il y a marqué Mako chassé, je crois. On va choper le coffre tout de même. The bull shark demonstrates the importance of getting enough minerals in her diet. Ah, c'est lui la cible. Ma coche assez. T'as deux niveaux de plus que tes copains. Je suis désolé, mais. The bull shark has effectively weaponized her entire body. Body.
L'as du green. Bonjour monsieur, j'ai faim. Voilà niveau 19. Bon, c'est un peu un jeu terrible quand même, on dévore des humains. Fort Clovis's most disreputable citizens have converged on the area. On va pas s'attarder avec les humains, j'ai une cible à chasser. Une cible qui est beaucoup trop facile à dévorer. Comme ils disent, les humains ont la mémoire courte. Et c'est fini. Port Clovis has forgotten all about its rogue shark for now. On a bien avancé, j'ai énormément de chaînes d'ADN. Est-ce que j'ai des trucs à choper? Trust Quest est d'être niveau 25. Je sais pas quand est-ce que je débloque tête, nageoire et queue. En santé, on est très très haut. Le reste, c'est assez moyen ou moyen bas. Allez, un dernier point repère pour la route. Et on va s'arrêter pour cet épisode. Tigeroos are part of a complete balanced breakfast for anyone aspiring to one day suffer from fatty liver disease. J'espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un suivant.